Ça en fait YouTube, je suis Suzuku et je suis très content de vous retrouver pour un petit Let's Play sur Stalker 2 parce que c'est le jeu que vous m'avez le plus demandé. Sur Xbox Series S, bien sûr, pour changer. Et que vous dire? Je ne sais pas quoi vous dire en fait parce que moi je ne l'ai pas encore testé. Moi je fais mon premier lancement. Il y en a beaucoup qui disent que le jeu prend 142 gigaoctets, 160 gigaoctets plus 142 gigaoctets de patch. Si vous le prenez directement sur le store Xbox, c'est 142 gigaoctets à télécharger d'une fois. Il n'y a pas l'histoire de patch day one. C'est-à-dire que votre jeu, quand vous le téléchargez en dématérialisé, il est directement patché. Si vous achetez une version disque, que vous l'installez et que vous téléchargez, effectivement, la version téléchargée aura moins d'espace que la version... utilisera moins d'espace disque que la version qui est sur le disque. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait 162 gigaoctets sur le disque. Attendez, là, il n'est pas content parce qu'il dit qu'il manque 1 gigaoctet d'espace disque. On va lui donner... Vous avez vu la taille de mes jeux, là ? Voilà, que le dispositif interne. Et on va supprimer... Qu'est-ce qu'on va se dire ? De toute façon, c'est 15 gigaoctet. Allez, va pour... J'ai déjà Taikono Tatsujin. C'est dur, hein, de choisir quel jeu supprimer. J'ai l'impression que je vais pas trop aimer RPG Time. Lego Brick Tales, j'aime plus c'est lequel. Bon, Legend of Mana, allez hop. Soyez, hein, Legend of Mana. Voilà, et on va le relancer dans Stalker. Au moins, on aura 8 Go de libre. On est sûr que ça va fonctionner et passer. Voilà. Synchronisation et voilà, c'est parti. Comme je disais, moi, c'est pas un jeu que j'attends plus que ça. Alors, langue des dialogues, bon, bah, tiens, on va mettre du russe et du français. Voilà, enfin, c'est pas du russe, c'est d'ukrainien, je suppose. On va faire un petit tour dans les options pour voir quel type au niveau des affichages qu'on a. Donc on a rien, enfin on n'a pas de mode performance qualité sur Xbox Series S et c'est parti. Dans le menu, ah oui, il me donne débutant. Je vais mettre quand même Stalker, mais apparemment le mode débutant c'est ce qu'il me recommande dès le début. Première remarque, le menu est de très bonne qualité. Enfin genre, on pouvait voir que le son du menu a l'air vraiment pas mal. Enfin, les graphismes du menu, pardon, étaient pas mal. Et là, ouais. Ouais. Pour de la Xbox Series S, du temps réel, c'est très impressionnant, même si ça a l'air d'être un peu en dessous des 30 FPS. Sauf si c'est une vidéo. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit une vidéo. À voir. Mais je pense pas que ce soit une vidéo. Ouais, vous avez le retour du son. Je devrais pas jouer comme ça. Très doucement. Je vois une mètre de casse, c'est pour ça. Zone была стабильна рукам. Normalement, quand je mets comme ça, ok, quand je parle, le son il se baisse. Ça, c'est nickel. Bah, c'est joli, hein. Je sais pas comment il tourne sur CSX, mais. Bah, c'est joli, par contre. Le framerate, je pense, on est dans les 24 FPS. C'est pas cinématique, en tout cas. Nous, bien sûr, можем остерегаться будь-яких змін. Але скажіть мені. Ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? А, la transition avec l'oiseau. Elle
tu sens que la CSS elle est au bout là. Ah, plus j'ai mon téléphone dessus. Attends, mais qualité d'image, c'est quoi? C'est impressionnant par contre. Je m'attendais à ce que le jeu soit en 720p sur CSS, tu vois. Je voulais pas passer. Ah. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. Alors, je crois que ce sont les textures de près. Les reflets aussi sont impressionnants. Là, je regarde les reflets. Par contre, quand tu regardes bien techniquement, les arbres d'assez loin, ils sont pas ouf, ouf. Ils sont classiques, en fait. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлома. Mais il y a un vrai effort au niveau des textures. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск, і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом. Це віво. Показуй, що знайшов. Ось. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій? Він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? J'ai juste peur que... Là. J'ai juste peur qu'il y ait une vidéo qui ne s'enregistre pas et un téléchargement. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я ж веде відео інутіль. Ура. Спокійно. Ей, вот, покутіть-мо, месье дам. Ворушись. Ми втрачаємо час. Où j'ai pas suivi une partie. Дистанція бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі сканом. Він уже чекає на тебе. Finalement, j'ai envie du son. Rien que c'est pas ce qu'il veut. Alors, je me dis que je dois perdre pas mal de d'immersion. Allez. C'est du ray tracing qui est utilisé pour les reflets. Je sais pas c'est quoi, c'est du screen space, il est bien fait hein, waouh. C'est tellement sombre, je vois rien.
Je vois tellement rien. C'est une dinguerie. L'écran est tout noir. Je suis à deux doigts de d'augmenter la visibilité de l'écran. Ah mais là, ils ont déconné par contre. Je vois rien. Un truc. Ah ça y est. Ah là c'est là où je suis pas entré. Là où je suis entré c'est là. Bon. Peut-être qu'il y a juste une lampe torche hein. Bien, c'est que je crois que la correction était déjà bonne. Ouais, des fois je me dis. Sur ma console ce jeu hein, force à ceux qui l'attendent depuis 4-5 ans. Ok, on doit gérer notre inventaire. Quand ils me disent maintenir RT pour tirer.
Mais c'est quoi ça? C'est dégueulasse, il est à 30 FPS. Comment on fait pour remettre le jeu en facile déjà? Parce que là, je... Moi, je vous suis pas, les gars. Moi, je ne vous suis pas du tout. Pourtant, j'aime bien l'univers de Tchernobyl. Débutant ira très bien. On voit rien. Pourquoi j'aurais un jeu où je vois rien? Wouah, voici quoi. J'aime bien le sound design. Ok. Je vais crever, est-ce que je suis tombé dans l'eau? Non. C'est l'eau qui est radioactive. On commence à avoir des artefacts. Utilisés pour traiter. Je crois que j'ai traité la radioactivité. Ah ok, le butin c'est lui. Pas un bouton pour prendre directement. Ah, oh, l'interface. Tout prendre. Ah, hop, laisse-moi tranquille. La porte ne s'ouvre pas.
що тут, бляха, відбувалося? Eh bien, que s'est-il passé ici alors que moi je me dis pas ça, je vois juste des gens morts. Par rapport à ce qu'il y a dehors, ça n'a rien d'étonnant quoi. Je veux dire, littéralement, ça va. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Une clé USB Wi-Fi. Windows XP. Окей, бумер. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну ні хорошенькі у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай, но клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Ну, нагадай. Йобана мать. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше, йдеш за координатами. Пхаєш свій сканер в землю. Потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав? Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. On peut pas sortir par là. En vrai, c'est très directif comme jeu. Як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то йди впорайся. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Погодься. Буде вкрай недолуха. La radioactivité va me niquer. Ça? Hey, je fais quoi?
commencer à scanner le point 1. Ça sont du scanner en cours. Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. C'était Stalker 2 sur Xbox Series X, je suis pas sûr que je vais le rincer sur Xbox Series X. J'ai plutôt passé à Genshin Impact, quoi. Ciao, bye bye, à la prochaine. Non, je suis pas... C'est pas mon style de jeu, vraiment, je... Ça m'amuse pas, en fait. J'aime bien m'amuser dans les jeux. Ciao, bye bye.